Salut à tous, c'est sur Magic Arena FR. Comment ça va, fou? Eh ben ça va très très bien, et toi, je regardais une cam Et inexistante ici, non, alors que en fait vous êtes en bas la cam elle filme ici. pour Hop le là, vous avez setup. regardé. Incroyable. Oh. On se retrouve pour un opening colossal. Ah, le colossal Colossal. opening. Parce qu'on va ouvrir Un titan. un titan. Ça, déjà. Ce Zendikar qui est pas mal. Rising, ce qui est Rappelle ce vraiment que pas mal. c'est cette boîte, parce que les gens savent peut-être pas. Effectivement, c'est une boîte de booster d'extension. Donc, qu'est-ce que les boosters d'extension? Oh, un petit peu foutasse peut-être. Les boost Voilà. 7. Ah. C'est une boîte de booster d'extension. Qu'est-ce qu'un booster d'extension? C'est un booster avec 12 cartes qui est fait pour être ouvert, c'est pas fait pour drafter, etc. Ça ne correspond pas à des boosters de draft. Vous pouvez avoir entre une et quatre rares dedans. Ou mythique, mais bon, je crois que 4 rares mythiques c'est impossible. Mais bon, c'est déjà pas mal de pouvoir ouvrir entre une et 4 rares. Il y a aussi forcément une foil dedans, et il y a une chance sur 6 d'avoir une carte de la liste. La liste est une liste du coup de 300 cartes à travers l'histoire un petit peu de Magic, des cartes emblématiques. Il y en a certaines qui valent pas mal de sous-sous. Un petit Du Vren coup, N6 dans la boîte peut-être? peut-être un Vren N6, c'est à peu près une rare mythique, je crois, Par boîte une en rare fait. ou mythique de la liste par boîte. Ouais. Donc, On te souhaite qu'elle soit bonne. Petit exactement, on Temporal va. Mastery comme Comme Lancelot. Lancelot. On va commencer par ça, mais je vous montre quand même ce qui va arriver ensuite. Voilà, ça, c'est les petits collector boosters. Une boîte aussi. Je me suis fait plaisir pour Zendikar. On va voir T'as bien les raison, il y a dingueries. plein de bonnes cartes. Et dis-moi, où est-ce que tu achètes ces boîtes-là? Ah bah chez Magic Bazar, bien entendu, chez Magic Bazar, notre Évidemment, sponsor. Merci beaucoup à eux. Du coup, devenu code play-in devenu maintenant. play-in, effectivement. Code VALETPL 2020 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. 1 euro égale 1 point, 150 points, 5 euros de bon d'achat, utilisable quand vous voulez, où vous voulez, sur la boutique, sur tout. Parfaitement parfait. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront, ça nous soutient. Et code créateur, Magic Arena FR, sur boutique Epic Game Store, toujours. Merci Hop là, beaucoup. j'y mets un petit coup de C'est canif. une vidéo qui est sponsorisée globalement à chaque fois par Magic Bazar comme toutes nos vidéos, mais cet envoi-là, c'est la réception d'EPL. C'est Ça, c'est moi qui achète. pas une vidéo sponsorisée, voilà, Non, pas du sachez-le. tout. Notre contenu est globalement sponsorisé parce qu'on est en partenariat avec Magic Bazar et un énorme merci à eux, Non, merci. mais ce sont tes frais. Exactement. Et là, on se fait plaisir. Ah, il faut savoir qu'il y a aussi une expédition dans cette boîte-là. Oh, donc là tu vas découvrir ton expédition directement. Ah bah non, je vais l'ouvrir à la fin. Le watch time. Ah, non, franchement, juste pour la plaisir. Il est Tu vois, bon. parce que si jamais la boîte... Hop, là, Ah la bah petite parce que moi, expédition, je te le juste dis, ici. dans la vraie vie, si on fait un unboxing réel, c'est ouvert direct. Ah, c'est cache pistache, C'est quoi. cache pistache. Moi Bon, bah c'est fort bien je protégé. n'attends pas. Hop, là, vous voyez peut-être pas grand-chose, excusez. C'est fort joli. Ouais, c'était bien protégé et c'est directement en mode servez-vous quoi. Voilà, les petits boosters, hop, Bah écoute, je vais me on sort servir. ça. Merci beaucoup. Moi, je vais juste prendre ça, voilà. Oh, les boosters, je les sors. Je vous montre un petit peu. Incroyable. Vous Tu pouvez peux voir montrer à la aussi vraie ici. cam, Ouais. voilà. Non, non, mais je vous montre à celle-là, c'est beaucoup mieux. Donc ouais, je vous montre Hop, ici. ça dégage. Moi, je te le dis, là, t'as un fetch bleu noir. Ah bah écoute, c'est un des meilleurs trucs que je peux ouvrir, donc... Voilà, sache-le. Un petit polluette Fudge Delta. bleu dans tous les cas. Ouais. Les petits boosters sont ici. On va commencer tout de suite. Alors c'est en Je anglais. préchote le prochain. Vas-y, tu peux déjà ouvrir le prochain. C'est en anglais, bien entendu. Hop. Hop. Oh, j'ai une carte de la liste déjà. Parce que quand t'as pas le token à la fin, Et là aussi. et voilà aussi, normalement, c'est qu'il y a une carte de la liste. Il y a, ah oui, il y a également, j'ai failli oublier, une carte d'illustration par Magnifique. rapport à Zendikar, très très beau, qui n'est pas de la même matière d'ailleurs que les cartes classiques. Elles sont Et un peu plastifiées. un peu plastifié, c'est ça. Et vous avez une chance sur 4, je crois, d'avoir une illustration, donc la même, mais avec. Bah voilà. Une signature. Attends, mais là un peu plus bas, que ce soit bien net. Une signature. Avec une signature dorée de l'artiste. Donc ça, doré! Doré! Donc ça fait vraiment extrêmement Une plaisir. signature légendaire, tu dirais? Exactement, avec un terrain foulard, bien entendu. Dedans, on y va tranquillou. Voilà, c'est ces petites Wow, cartes les communes, on classiques. va vite passer, les gars, Voilà, je vous le vous avez dis. aussi un nombre entre guillemets aléatoire de communes et d'unco. Il peut y avoir beaucoup d'unco, très peu de communes et Et inversement. inversement, ok. Des bonnes Tac, cartes, là, ouais, de bonnes le cartes. petit Là, j'ai gredin eu là. 4 unco. Hop là, le petit Relic Robber. Lindvala, Shield of Des Seagate. bonnes Ok, cartes. nice. Spitfire Lagak, donc la feuille. Attention à la carte de la liste. Oh, et ben c'est un Brother Yamakasi. Bushido, C'est de la merde, mais de 1 c'est pour 3. une extension qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Eh ben écoute, je te la donne pas, voilà. J'en ai pas besoin. Nickel. On est parti. En tout cas, juste ça, mec, ça me régale. Très très Avec joli. la Hein. signature, c'est trop Très beau. très très joli. On le rappelle moi aussi, carte de la liste. On passe très très rapidement sur les communes. Ouais, on n'est pas là pour ça. La vidéo va être un peu longue parce Souvent qu'il y a moi des qui boosters, t'ouvre les ouais. dingueries, non? C'est vrai que dernièrement, tu m'as ouvert les dingueries, ouais. Tu as la main dingue.
La dingue. Attention, on arrive sur la fin, les gars. Oh, Filat en petit version showcase. Donc ça, ça régale. Le showcase. Derrière, il y a la carte foil. Zou. Ok, petit Unko, on s'en fout. Tu veux Renesix, tu voulais? Ouais, j'aimerais bien Renesix. Ah bah c'est une, eh bah t'auras un Drift of... C'est pas une commune de merde, c'était un, à la base d'un deck combo qu'on jouait notamment à l'époque de Kamigawa. Oui mais c'est pas vrai. Heartbeat combo. Et du coup c'est bizarre parce qu'il y a une espèce de nostalgie croisée entre ta carte et ce Drift des fantasmes. Ouais, mais écoute, c'est de la merde. C'est un produit qui t'était destiné finalement. Exactement. Hop là, je prends tout ça, je le fous ici. Continue là. Et du coup il y a 24 boosters je crois dans une boîte. Ou 30. 30 boosters dans 30 une boosters. Boîte 7. Ah bah là c'est pas une carte de la liste. Qu'est-ce qu'il y a le token ? Tac, petit dessin de Ayasha, je crois, qui s'appelle. Magnifique, hein, c'est. C'est vraiment très très beau. Et du coup, il y a des. Oh, Forêt Foil, régalade. Il y a des illustrations dans ce sens-là et dans ce sens-là. Il y a les deux. Très belle Forêt Foil, on est content. C'est la maison du content. Il y a un thème aussi dans ces boosters. Là, on voit des cartes blanches en mode party, cleric, warrior, wizard. Je sais pas à quoi ça sert, mais il y a un espèce de petit thème en fait dans chaque ouverture. Commencer à bulle comme si ça deck, raconter une histoire un peu. Skyclave Squid, Rabbit Bite, Legion Angel, ok. Ah, mais j'ai peut-être deux rares là, du coup. Bonne carte. Et voilà, deux rares. Inscription of Insight, régalade. Moins bonne carte. Kargan War Leader en foil, cool. Donc très bonne carte. Et un Shabist, on s'en fout. Shabist. L'Invala, très très joli design, la petite montagne foil. Franchement magnifique, les terrains sont très très beaux, hein. Souvent l'accent dessus. Oh le Ring Crab. Ring Crab, beaucoup d'unco là, on a eu une seule commune pour l'instant. Ouais. Putain, eh ben, là c'est full unco, ça fait plaisir aussi. Full unco. Parce que des fois les unco sont un peu durs à avoir dans les extensions. Là, on revient sur les communes. Oh, fait la retreat, c'est une bonne carte, carte du standard et de l'historique à ouvrir, c'est très très bien. Une deuxième rare, Crawling Barrett, ça tient sur 3 boosters, j'ai 5 rares là. Pareil, c'est une bonne carte. Et la petite foil, Living Tempest. Et voilà, ça, c'est rien du tout. Ah, c'est même pas un token. C'est rien du tout. C'est, voilà, c'est une carte qui sert. Tu peut-être mettre ça de côté. Non, je fais des énormes piles. Voilà. Tu fais des énormes tas, quoi. J'adore les énormes piles. Ah, tu laisses pas les rares. Oh non. Je vais montrer que les trucs vraiment jolis. Alors, ça, c'était joli, donc je montre. Okay. Ah, je suis comme ça, moi. D'accord. Pas de carte de liste. Oh. Bon, franchement, les illustrations très jolies. Swamp, Swampy. Celle-là est ouf, vous allez la voir. Incroyable. Le mec tease. La prochaine illustration va vous étonner. Vous étonner ouais. Un Canopy Ballot. Ok. Restez jusqu'à la fin parce que le dernier booster est étonnant. Oh ! Très le bien. Petit land mythique, Emeria's Call avec une. Malheureusement, une pas, pas le meilleur, mais ça reste des lands qui sont très très bons. Et j'adore ce dessin. Il est très rigolo, ouais. C'est genre rage. En français, je sais plus, c'est. Rage inordinaire. Colère démesurée. Okay. Et j'adore le dessin. Et inordinaire. Oh, bien joué. Le fait que ce soit une espèce de minotaure qui soit en furie parce qu'il s'est fait piquer son biscuit, tu vois. Bah, c'est une rage inordinaire. Ou démesurée, oui, ouais. Tu mens. Hop, je vais mettre le petit Marias Cole ici quand même. Regardez cet artwork, les gars. Il est bilbesant. Ouais. Tu peux le mettre dans le bon sens ? Incroyable. Non, non, sans calme. C'est pas comme ça, ça c'est... Les hédrons sont penchés. Je vous montre le sec de PL actuellement. Hop là. On sent que c'est une vidéo de muxing. Hein. Y a pas... Et c'est pas fini. C'est différent. Hop là, le teasing. Ouh oh, le teasing. La carte de la liste. Excusez-moi. Incroyable. Avec cet angle de caméra, on dirait qu'on est en train de préparer une énorme mixtape. Ah là 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 là. Elle est où donc cette rare là ? Montre-moi cette rare. Oh le Leyline Tyrant mythique, mais attends, elle est très bien cette ouverture là pour l'instant. Très bien pour l'instant. La mythique qui régale, ça on s'en fout. Oh Marauding Raptor. Bon tiens, c'est une carte de la liste, mais plutôt récente. C'est une petite rare de plus. Moi, c'est moi j'aime bien. Une carte sympathique. Ah, je prends. Je prends tous les jours. Tiens. Pour continuer le gros tas. Hop là, oh, ça commence à être un beau tas ça. Bah, j'arrive donc pas. Oh, bah il y en a des cartes de la liste, dis donc. Parce que c'est une chance sur 6, mais là je suis juste en train de mentir en fait. Après, peut-être qu'il y en a plus ça du tout dans les autres. Un milliard en fait. Drana. Incroyable. Est-ce que t'as le nom complet de la carte ? Drana. Voilà. Il y avait 3 A après. 3 Drana, virgule A. Drana. Ok, bon, on s'en fout. Oh, on a pas mal d'unko aussi. Zou. Un petit land. Très bien. Qui fait plaisir. Très bien. Un Yasharn Foil.
Et ça, c'est une bonne carte. C'était le land blanc vert qui va avec Yacharn. Ah ouais, ça, c'est vraiment une bonne carte. Et j'ai une carte de la liste derrière. Mais c'était un booster exceptionnel. Oh! Mais c'est exceptionnel. Platinum Angel, la carte légendaire. Incroyable, tu l'as pas en plus. Et je ne l'ai pas. Eh bah, mythique, putain, bah, régalade. Ce booster, il est dingue. Mais achetez ces boosters, les gars, ils sont du fous. Coup, celui-là, il a pas envie de passer derrière, sachez-le. Celui-là, non, c'est le mec qui a pas préparé son oral, il se dit, bon, là, c'est le 2 sur 20, quoi. Ouais, je passe vite, hein. Au moment, je passe la jouer star. Ouais, quoi. Non, on s'en fout, là. Franchement. Oh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière, qui va bien avec? La rare légendaire qui est un sorcier là. Oh mais mec, mais c'est pété ces boosters. Mec, c'est ouf ça. Il y a une carte de liste? Non. Ah non. Oh. Incroyable. Skyclave Apparition, très très bonne carte qui est jouée en moderne en Legacy. Putain, mais c'est ouf. Donc quand ça foil, eh ben ça cote. Ouais, c'est un petit peu flou parce que la mise au point est sur le booster, les gars. On vous fera juste une mise au point sur les plus belles histoires de Magic. C'est insane. Mais là, j'ai envie d'arrêter. Genre, c'est bon. Je suis frais. Ah, si t'arrêtes, je repars avec le reste. Counter spare. Pleine, voilà. On n'a pas le temps pour ces bêtises là. Le truc avec ces boosters, c'est que tu sais pas où t'arrêter quand tu. M-box. Bah, la deuxième, bon, parce qu'avec l'apparition, ça fait plaisir. Dreadworm et rien du tout. To win, the first player to win three categories is the winner. Strictly better, Magic minigame. Trop bien. Il y a des règles pour un petit mini-jeu. Ouais, c'est rigolo. Ils sont un peu longues du coup. Comme on dit. Je passe, mais. Genre, les règles sont plus longues que le jeu. C'est un mini-jeu. C'est pas faux. Je vais quand même sortir les petites rares finalement, tu vois. Une fois que c'est un peu trop tard. J'essaie de me placer correctement, mais je suis un peu décalé. Vas-y, vas-y. Oh, un petit Zaretsan, c'est une bonne carte. Bien. Pas bien. Broken Wings. Et rien du tout. Noise. Hop. Je sors les petites rares. On est à la cool. Ah, tu vois que tu les sors, les petites rares. Ouais, en fait, je me dis, ça fait bien de toutes les avoir. Ouais, ça montre la qualité de l'ouverture. Ouais. En plus, il y en a de la rare. Et tu pourras compter le nombre de rares que t'as ouvert. En plus. Puis Felidar Retreat, ça mérite amplement d'être ici. Je mets les cartes de la liste rare aussi, mais pas celles qui sont cac. Ah, t'as voilà. Loupé Robber. Le voleur de reliques. Lequel? Tout au fond, lui. Hop, ah oui, c'est vrai qu'il y a le petit Warboss, le nouveau Warboss. J'avais oublié. Qui est une bonne carte. Qui est une bonne carte. Est-ce que c'est pas parti? Allez, c'est-y part. Pas de carte de la liste. Zou. J'aime bien les openings, à chaque fois mon sol est jonché de boosters comme après une bataille. Mais c'est comme quand on mange, jette tout par terre nous. Ah ouais, ouais, le KFC, moi les frites j'en mets une sur deux par terre, hein, faut le savoir. Ça dégage. Ah, c'est Dominant Rouge Bleu là. Oh, petit Nighthawk Scavenger. Très bonne carte aussi. Carte. Très très bonne carte. Un Archon Ephemeria, double rare. Into une petite Uncofoil. Est-ce que tu vas réussir à faire plus de deux rares? Moi c'est ça qui m'intéresse. Ouais, pour l'instant on est sur du deux rares. Donc c'est... Ah non, j'ai eu trois rares avec la liste, je crois. Ah ouais, mais sans parce la que liste. J'ai eu Land, Yacharn et Platinum Angel. Ah non, mais 4 rares, c'est avec la liste, sans prendre en compte la liste, je crois. Ah, obligatoirement. Du coup, le maximum, du coup, ça t'as eu 3. Ouais, j'ai eu 3. Et franchement, 3, c'est très bon score. Hein. Franchement, un booster, t'as 3 rares, t'es quand même ultra frais. Bonne carte. Kazendu. Kazendu Mammut. Mammut. Je voulais me faire un petit EDH grûle bête, donc ça ira très bien dedans. Tiens. Moi, je fais des EDH que pour me servir des cartes que j'ai. Pas en fonction de ce que je veux jouer. Donc c'est ça aussi quand on était petit. Ouais, mais je suis toujours petit. Tu es toujours petit. Carte de liste. Je ne dirais pas. Voilà. Zubida. Le spoil pas avant. Pas beaucoup de signatures par contre. T'en as eu une, ouais. J'en ai eu qu'une, ouais, pour l'instant. Alors que les stats sont plutôt élevés. Mais je préfère avoir des cartes non signées et des bennes. Et des bennes. Des belles cartes. Très bien, genre celle-ci. Skyclave. Et. Ok. Oh, le token Goblin Construct. Il est rigolo. C'est des têtes de lui. Ah ouais. C'est ce qu'il crée quand il le touche. Quand ce bruit des feuillages là. C'est très ASMRial. Ah, une grosse bête de merde. Oh là, bah, c'est pas merdique. C'est pas merdique. C'est même plutôt pas mal. Ça c'est merdique. Mais ça, est-ce que c'est merdique? Oui. Oui, mais c'est pas grave. Oui, c'est merdique. Hop, 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 hop. Les cartes de la liste nulle, ça va pas ici. Ah ouais? Ah ok, d'accord. Moi, je veux voir que ce qui est bien. Putain, il en reste plein des boosters. Hein. Il y en a plus de 8000. Plus de 8000. Je les ai comptés. C'est la malédiction dont on parlait pendant l'invitationnal.
Régalade. Régalada. C'est comme ça qu'on dit. Excusez-moi, je vais mettre plutôt au milieu. Il n'y a rien qui est complètement excitant, mais l'ensemble est plutôt bon. Tu vois ce que Magmatic je veux dire? Magmatic Chandler. Ok. Tadjuru Paragon, rare foil encore une fois. J'avais oublié que cette carte existait. Et Wayfarer's Bubble. Très bonne carte. Bonne carte, Bubble. Au demeurant, mais pas au demeuré. La Bubble du voyageur. Bubble. Oula, j'ai cru que c'était une rare, pas du tout. Eux, ils ont mis une rare au milieu, comme ça. Ça arrive. Valakut's Awakening. It's okay. C'est bien, il reste des cartes. Kragmo, ok. It's okay. Xandu Stamper. Et rien. Booster Star. Oh, encore un minigame, mais c'est trop bien qu'ils fassent ça. Tiens. Les petits mini-jeux directement dans le booster. Exactement. Oh, j'ai envie d'ouvrir ce box topper. D'ailleurs, j'ai juste essayé. Peut-être. Petite mise au point. Est-ce que vous voyez quand même clair? Moi, en tout cas, je vois très clair. Ah, bah oui, en fait, je pouvais juste faire une énorme mise au point. Énorme mise au point. Beaucoup d'unco. Coralem Chronicler, ok. Pas de carte de liste. Scorch Rider, ok. Oh, celui-là, il était humide, ce booster. C'est pour se faire pardonner de tous les autres. Ce spoiler de carte de la liste, je m'en remets pas. J'essaye d'estimer à peu près où peuvent arriver les rares. Très bonne carte. Bon, Blood Chief First, je crois. Putain, pas encore, tu vas avoir ton carré, c'est bien. McKinley, c'est Oaks, très joli. C'est très beau, mais c'est pas une très naze. Et attention, carte de la liste ou mini-jeu? Mini-jeu. Carte de la liste. Oh, qu'est-ce que c'est? Pegasus, je connais pas. Stampede. Je connais pas non plus. Tu crées un jeton 1-1 et tu peux le buyback en sacrifiant un land. Oh, les old design, par contre, franchement, il n'y a pas de débat, je crois. Ouais, c'est vrai que c'est quand même c'est très très beau. Par contre, d'ouvrir genre, comme ça, une carte du design comme ça, ça fait plaisir. C'est vraiment insane. Hop là. Zou. Et il en reste combien? Bah plein. 10 environ. Plus de 8000, mais il reste surtout les collectors. Ça, ça fait plaisir. Et le box-hopper. Le box-hopper. C'est une carte de la liste. C'est pas vrai. C'est peut-être vrai, mais tu le dis pas. Ah. Par contre, les signatures. Ah, c'est le bruit du gobelin qui se. C'est le bruit de Yoda qui se fait caresser les. Ah, ah, exactement. Coucouille. Deuxième filate. Oh, oh, solide. Seagate Restoration. Très très bien. Et derrière, on a un Squid Swarm. Putain, eh bah là, une mythique de rare. Incroyable. Régalade. Bah, très très bien. Ça, ça va en Tatiova tout de suite. Mm. Et oh, j'aurais pu en avoir encore une là. Du coup, parce qu'il y avait encore la feuille. Pas trop en demander non plus. Le mec veut péter les stats. Ah, quoi. Je veux tout, moi. Mais franchement, là, c'est vraiment très très cool, hein, ce que je vois. C'est cool. Ça manque d'un Omnat, mais je sais pas, ce que je suis un rabat-joie. Ouais, j'ai déjà eu deux lands mythiques qui sont bons, donc. C'est vrai. Ça me fait plaisir. Le Shatterskull Charger. Ok. Oh, du coup, je le mets là, lui, si tu veux. Oui, vas-y. Eh non, c'est un mini-jeu. Et rien du trou. Hop là. Oh, on les ouvre, là, on est assoiffé, quoi. Ouh. Ah bah j'adore. Très bel artwork, Nairi. Bonjour. Ouvrir le booster. Ça veut dire qu'il y a Nairi au fond? Je pense. Ah, peut-être. Hein. Il y a un mec qui est extrêmement énervé en bas de chez toi. C'est pas le premier mercredi du mois? Vu qu'on est midi. La sirène? Ah, peut-être, c'est la sirène. Vous l'entendez? Archpriest of Yona. Ça va être très mauvaise idée. Il y a encore des cartes. À midi, le premier mercredi. Il y a encore des cartes. Relic Robber, ok. Ok. Et après, Zouz. Ok, bah double rare quand même. Allez, let's go. On va péter le Omnat, je vous le dis. Je vais que mettre des coups dans le micro, je suis désolé, les viewers. On va le péter le Omnat, je te le dis, moi. Pas de Lotus Cobra encore non, pour l'instant. C'est pas grave. So far, so Cobra. Tu voulais quoi, un Cobra, tu m'as dit? Ouais. D'accord. Tu voulais pas un Ico de Scavenger aussi? Je suis sûr, oui, mais j'en avais déjà un. Et du Ziz. Ok. Hop. Je te préviens un Cobra et un Omnat histoire de parfaire cette ouverture. Parce que s'ils sont dans les collecteurs, il y a plus de chances qu'ils soient dingues aussi. Hein. C'est vrai. Oh bah tiens. Bah il est là. Il est là. T'as le droit de la jouer en plus. Ouais, c'est playable. C'est pas vrai. Vous avez pas le droit de jouer ça en tournant. Mais entre amis, faites ce que vous voulez. Ouh, encore une mythique, Scourge of the Skyclave. Bonne carte, c'est genre moderne. Et. Ouh. Ouh. Putain, je l'avais pas encore. Incroyable. C'est très très bien.
Tu l'avais pas commandé en plus? Non, il me l'a fallu pour un deck. Et ben elle est là. Formidable. Ça, ça vaut son pesant de cacahuète. Ça doit valoir 15-20 euros facile. Hein. Mm. Ben, je suis très content. Très content, très très content. Ah, je suis très content. Putain, Lightning Tutor. Je suis baba là. Au rhum ou pas? Tout. Je suis baba au Sky. Mais ça ne s'arrête pas, les mythiques, enfin. Achaya. Soul of the Wild. Non, j'ai cru, je me suis dit. Oh, une illustration de ouf, non. Pas du tout. C'est pas trop mal dans ta chauve. Hein. Pose une bête, pioche une carte. Putain, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Oh, c'est très bien. Oh, c'est beau. Le petit land bleu-noir qui ira très très bien dans... Allez là. Ça, je vais me cop des carrés de ça. Ouh. Très cool. Donc je vous montre quand même. Merde, il est foulard des deux côtés. Je vais m'en cop des carrés, des foulards comme ça parce qu'ils sont pas bien plus chers que les normaux. Voilà, donc quand l'upgrade est à bas prix, on upgrade. J'ai l'impression que le thème du booster, c'est un bon booster. Bah, ouais. T'as forcément un bon booster. C'est un peu l'idée, hein, c'était la promesse. Mm. Null Priest of Oblivion. Avec une autre rare, Nibble Trumpfinder. Oh, et une mythique foil land, mais what the fuck, wow. Elle est ouf. Mais gros, mon ouverture, elle est insane là. C'est vrai? J'ai pas vu d'autres ouvertures. J'en ai pas vu d'autres, mais j'ai l'impression que c'est ouf. Si c'est une ouverture moyenne d'une boîte de boost sur 7, c'est des très bonnes boîtes. On va en acheter 4. Hein. Shatter Skull, putain. Ouais, montre donc l'autre côté aussi. Et foil. Magnifique. Magnifique parce que ça, pour le coup, les dual cards comme ça mythiques, il faut se rendre compte que c'est joué dans d'autres formats aussi. Donc, c'est des cartes qui vont toujours garder une petite valeur. Mmh. Hop là, plus que deux boosters chacun. Avec pas de carte de vie, pour moi. J'aimerais bien avoir un petit éveil d'Agadim ou un petit symbiose parce que c'est quand même fou que sur les trois landes mythiques, même si c'est incroyable d'ouvrir les trois, les deux plus chers, putain, ils s'esquivent encore quoi. Petit land blanc-noir. Rolling Felidar et rien. Putain, mais ils sont beaux les Felidar et les buffles là. Parce qu'ils ont à nous faire des dizaines de fous. Un petit Isharn. Il est magnifique d'ailleurs. Ton Isharn Foil, il est. Ouais. Comme ça. C'est un garçon. Ouais. Je pense. Hein. Ça va bien. Toi, tu t'arrêtes un petit peu avant, comme ça tu commences à tease. Oh, Aura Sky Clavier en fin qui était la Boya Box. Et non. Une construct. Allez, c'est Cobra là. Ça, c'est le mien. Bah je te le laisse. Et je prends le tien. Pour voir si c'est ta main qui vaut de dinguerie ou si c'est le placement. Le placement. Déjà j'ai pas de liste. Toi non plus. Non. Oh le mec il fait que spoiler quoi. Ah, là je regarde, moi je vais vite comme ça de booster. Crawling Barrens, ok bah j'en ai 3. Je me suis spoilé. Nissa Zandikon et copy. Zandikon. Ma suis spoilé. Montagne foil, cool. Valakut exploration. Valakut. Valakut. Non, non, Valakut. Je sais pas lire. Petite Mackindy Stampede. Et non, l'insecte. Pas de liste. Et maintenant le box topper. Oh, on c'est vrai. On parlait d'un Polluted Delta. Que vas-tu ouvrir? Déjà, le dos est bon. Si j'ai un, c'est si pas j'ai un fetch, TCG. Je suis content. Et je crois qu'il y a Prismatic Vista. Ah, ça serait pas mal. Et ce qui est un fetch aussi que je n'ai pas. Donc, ce serait très très bien. Attention. Bouf. Oh, Wasteland. Ah, c'est très bien. Wasteland, très très bien. C'est très ça, c'est très, un bon box-topper. Bah, écoutez, les gars, je crois que la boîte, elle est ouf. Juste, elle a tout pété. Parce que j'ai quand même 3 landes mythiques, dont un foil, un Enlightened Tutor, un Platinum Angel. J'ai eu beaucoup de mythiques. Combien j'ai eu de mythiques en tout? Attends, je vais les mettre de côté. Je vais faire un petit tas. Vas-y, ouais. Je suis curieux de connaître le nombre de mythiques du coup qu'il y a dans la boîte. Tac. Tac. Hop, encore un. Fais attention, pas les abîmer. Hop, hop. Parce qu'avec l'apparition, on n'aura pas le carré. Peut-être que la quatrième est dans la boîte à côté. Ouais, c'est fort probable même. Alors, mythique, mythique, mythique.
Ok, donc ça te fait une boîte à 7 mythiques sur 30 boosters, ce qui est quand même vraiment très très sympa. Une de la liste, donc au pire on avait 6 mythiques, on a eu la petite Wasteland aussi. Ce qui est les stats sur une boîte à 36 boosters. Et je vous récap un petit peu ce qu'on a ouvert comme ça. C'est la régalade. Ouais, c'est cool, c'est des bonnes boîtes. On n'a pas eu Cobra, pas eu Domnat, mais tu vois, ça reste quand même dommage. Très ok. C'est Domnat qui t'aurait fait péter toutes les stats. Ouais, mais genre la boîte est quand même très ok donc. Ouais, complètement. Mais tu sens que c'est vraiment une boîte de 30 boosters qui est fait pour que tu t'en aies un peu pour ton argent, quoi, tu sois content. Bah ouais, je sais pas, après c'est de l'aléatoire à chaque fois, mais franchement, je vous remontre le petit. Très joli. Après, moi j'ai pas vu d'autres unboxing, donc j'ai pas de matière à comparer. Ouais, je regarderai un petit peu pour voir ce qui s'est ouvert par-ci par-là. Et dites-nous en commentaire aussi ce que vous avez ouvert. Je pense que dans les quantités, t'es plutôt bien, quoi. Ouais, je suis pas mal. Et le box stopper est très bon. Ouais, le box stopper est cool. C'est vrai qu'il y en a. Je crois qu'il y a 30 box hoppers différents et il y en a 6 ou 7 qui sont très middle, 6 ou 7 qui sont un peu en dessous et il y en a 15 qui sont assez régalants. Ouais, exactement. Du coup, petit cut et on va passer à l'opening de la boîte collector. A tout de suite. Boîte collector. On est parti sur la boîte collector. Je vais mettre un petit coup de canif directement, ce canif-là. Mets-y un petit coup de canif. Et donc là, du coup, on récapépète, il y a 12 boosters et 2 box stoppers. Exactement. Deux box stoppers non foil, mais à l'intérieur, tu peux avoir des box stoppers foil. Je peux avoir des expéditions foil, ouais, exactement. C'est les seuls moyens d'ouvrir des expéditions hors box stopper, en gros, c'est de les ouvrir dans les boosters collector. Et ils sont foil. Et les seuls que tu peux trouver en foil sont dedans, avec une moyenne de 1 tous les 6 boosters. Du coup, sur une boîte de 12, on peut logiquement se dire qu'on devrait en ouvrir 2. Si j'en ouvre déjà 1, c'est bien. Je te le dis, si on ouvre 2, c'est ok. Si on ouvre 3, t'as 2 hommes nat dans ta boîte. Hop là. Tac, les box stoppers ici. C'est pas mal, 2 hommes nat. Ils sont tellement lourds ces boosters. 2 hommes nat, je suis très content. 2 hommes nat, tu peux. Hop, chacun ses boosters. Et je pré-shoot. On est parti. Du coup, pour rappeler, c'est des boosters de 15 cartes avec dedans. Je vais le descriptif exact. Que de la régalade en fait. De la boîte, ouais, il n'y a que de la régalade. Alors, il y a au moins 6 cartes à version alternative, donc les showcase, 4 rares ou mythiques minimum. En moyenne, il y a 4,5 rares ou mythiques par booster. Donc ça veut dire que un booster sur 2, t'en as 4, un booster sur 2, t'en as 5, logiquement. En moyenne 11 au moins pardon 11 cartes foil sur les 15 et un token foil, donc ça fait quand même très plaisir et ça peut être un mélange de tout, ça peut être showcase foil. Ouais, bien sûr. Oh, le petit token, les tokens sont magnifiques, J'attends ça depuis un moment les gars, d'ouvrir ces boosters, donc je suis très 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 content. Tu es joisse. Hop là, on va commencer donc par les petites communes, on va s'arrêter comme à chaque fois au land. Oh là, il y a une espèce de petit revêtement dessus, ça me fait plaisir. Enfin, comme une Enco, voilà. Forêt foil. Donc le land est forcément foil aussi dedans. Okay. Ça fait plaisir. Legion Angel. Full art. Oh, on commence très très fort avec le Omnath foil. Très très fort, voilà, ça me fait plaisir. C'est très très lourd. Akum Hellhound. Ça, c'est vraiment la meilleure carte que tu puisses ouvrir. Hein. C'est 30 balles. C'est ça. Et encore là, elle est foil, donc ça vaut plus, j'imagine. Felidar Retreat. Box Stopper. Magnifique. Très cool. Sky Cave Squid. Expédition. Pouf. Célestial Colonnade. Mais ce booster, il est dingue. On commence par lui très très lourd. Ce booster est dingue. Célestial Colonnade qui régale avec le petit Chaben derrière. Wow. Magnifique. Et pareil, Colonnade Céleste, c'est quand même un bon très bonne carte. Ouais. Bon très bonne carte. Qui en plus est foil. Ah, je vais quand même sortir les dingueries. Sors les dingueries, ouais. Genre là, je sens vraiment que les dingueries. Sors les dingueries. Mais tu vas en sortir pas mal de cartes. Ah, j'espère. Là, tu peux y aller jusqu'au land. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant. D'accord. Bon, enfin, tu as une crabe. Mais effectivement. Petite forêt. Attention, est-ce que vous êtes ça prêts? Ça commence à partir de maintenant. Souvent, c'est une showcase, la première. Parfait. C'est le petit land mythique. Le dual fastland qui coûte le plus cher. Ouais, et il est full art. Donc tu peux montrer de côté. Avec un autre land mythique derrière. Et c'est les deux que j'ai pas ouvert dans la boîte avant. Non, mais je suis vraiment... c'est les deux meilleurs. Je suis régalé. C'est les deux qui cotent le plus parce qu'ils sont joués dans les formats éternels, notamment dans les versions incroyable. No-land. Montre un petit peu le dos du land, quand même. Oh, il est beau. Les gens s'en fichent, ils ont compris, quoi. Vous avez compris. Turn Timber Symbiosis, avec un petit Oaks derrière. Oh, attention, c'est trop haut, c'est flou. Voilà. Voilà, c'est comme une qu'on s'en fout un peu. Kazen du Mammoth. Mais après ça. Double land, mec, c'est pas, quand même insane. Hein. Pas fou, quoi. Deuxième expédition. Valakut, j'avais besoin en plus pour un commandeur. Je l'ai pas acheté exprès en me disant ça se trouve, je vais l'ouvrir. Ça se trouve, ça sort, quoi. Putain. C'est pas la meilleure, mais c'est pas la moins pire. Mais vu que j'en ai besoin, ça me fait plaisir.
et une petite illusion derrière. T'imagines, il y a deux XP. Mec, assez impressionnant pour l'instant. Bah ouais, bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pas du tout. Impressionnant, impressionné. Choqué, déçu. Des XP, je les mets là parce qu'il va en avoir d'autres. Oh, elle est un peu mi-sprint en plus. Regarde, elle est un peu plus large à gauche qu'à droite. Ouais. Donc ça cote un peu plus. Potentiellement. Ouais, pour les connaisseurs. Merde, je te prends un de tes boosters. Oulala, grand fou que je suis. Ils s'ouvrent très facilement parce qu'ils sont remplis de dingueries, ces boosters. Hop. Token. Ah, le token est-il double face d'ailleurs? Ouais. Token double face. Negate foil. C'est toujours bien. C'est toujours bon à prendre. Mountain. Mountain pass, attention. Ondu inversion. Ok, nice. Ok. En full art. Zagras foil. Zagras, que une tu bonne aimes carte. Bien. Ouais. Pulling Felider. Ruin Crab. Oh, petit land full art. Canyon Gerby. Hop, je montre le land full art. Et. Chut. Soul Shatter, ok, foil full okay. Art. Intéressant. Rare foil full art. Ça fait plaisir. Bon, sort quand même. Ouais. Tu peux sortir au moins le land aussi. Ah oui, le land. Le land est pas mal aussi. Ouais. D'ailleurs, le mammouth, rien à faire là. Ah, ouais, mammouth il dégage. Ouais, il se dégage. Ouais, ok. T'as raison. Ah, t'as raison. Moi, je me montre le tank. On est là pour se la jouer star. On est là pour se la jouer star. On est là pour se la jouer star, effectivement. Quand je vois le land, là, je me dis, ça y est, allez, dinguerie commence. Attention. Nul priest. C'est plus nul que priest. C'est mignonné. Mall of the Sky Cleaves. C'est une bonne carte de standard. Ouais. C'est une carte de Magic. Akum Hellhound. Valaqueux d'exploration qui est magnifique comme ça. Ok. Prowling Felidar. Il est magnifique ce dessin. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont les Felidar, c'est beau. Et les Oaks. Coveted Price, foil full art, okay. Très joli, c'est pas une bonne carte, mais magnifique. Ouais. Et t'as le petit token derrière, je crois. Ouais. Okay. On va te sortir le Prowling Price. Ouais, ouais, je crois qu'il n'y avait pas grand chose d'autre. Tu peux sortir le Maul si tu veux. Ouais. Ouais, tu sais quoi, c'est full art. Ça fait plaisir. Non, non, tu veux que la dinguerie? Ouais, j'aurais mis que le Coveted Price parce qu'il est foil full art, mais. Bah, tu as tout le reste, ça dégage. Ouais, ça dégage. Franchement. Oh, tu sais quoi? Vas-y, là, ça c'est moche. Ouais, c'est moche, allez. Mais ça, pareil, hein. Gros, dinguerie ouais, ou pas dinguerie? Attends. C'est vrai que c'est pas les dingueries, ça. Allez, vite, le land. Voilà, Swampy. Playable en moderne. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ok. C'est vrai. J'avais fait une minute de silence, moi, pour cette carte. Non, non, c'est vraiment joué. Dreadwurn. Tac. Riverglide Pathway. Magnifique. Okay. Petit land full art. Le ballot. Le ballot. Ça va être commandé là. Ça, les carrés de tous les lands en full art. Ouh, petite mythique, foil full art. Little Form Engine. Très joli. Ça aurait pu être Omnath, mais c'est pas grave. Ça aurait pu être un Little Form Engine, c'est très très bon pour le commandeur. Et le petit token illusion. Ouais. Ouais, ça, c'est typiquement le genre de mythique dont tout le monde s'en branle. Vous n'allez pas le jouer en standard. Et dans 6 ans, voilà, dans 6 ans, vous jouerez en EDH multi. Et vous direz quoi? Ça vaut 20 balles cette merde? C'est exactement ça, cette carte là. 20 balles, t'es gentil. Hein. Je pense que déjà là, elle vaut. Elle vaut ce prix là. Hein. Non, mais je parle pas, je parle juste de la carte. Je parle pas de la carte basique. Foil, ouais. Full art, ah, et ouais, tout. Ouais. Cette carte basique, ça vaut 50 centimes. Pardon, c'est à toi. Tu vois ce que je veux dire? Eh, je sais pas. Hein. Franchement, il y a écrit dessus que ça fait des trucs. Hein. Bah. Le DH Cosilec est une vraie chose. Oui, enfin. Attention. Ouais. Les cartes, elles cotent pas pour le DH multi tant qu'elles sont en standard. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est le genre de truc que vous allez avoir dans vos classeurs, que vous n'allez pas jouer en standard, et si vous mettez au multi, vous serez très content d'avoir ça plus tard. Eh ben moi, je suis très content d'avoir ça maintenant. Exactement. Et je vois qu'il y a des dingueries déjà à la fin du booster, là, je les devine. Ouais, c'est vrai. Petite pleine feuille. En même temps, je suis à guicheur, je te laisse deviner, quoi. Ouais, c'est genre vrai. Comme ça. Vous devinez quoi? Voilà, qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, quoi? Et là? Et là, qu'est-ce que je fais? Et là? Cargan Intimidator, nice. Throne of McKindy, ok. Le Hawks. Bon, désolé, je les spoil. Oui, c'est magnifique. Là. Très bien. Ça, ça va là. C'est joli. Le Nairis Lithoforming, foil full art. C'est joli, mais c'est pas bien. Ok. Et le token. C'est très bien résumé. C'est joli, mais c'est pas bien. Bon, pour l'instant, sur 6 boosters, on a 2 XP. C'est la moyenne d'une boîte. Voilà. Ouais, les deux premiers boosters, ils ont éclaté le game. Donc, on est bien. Ah, j'ai pas une carte de la liste. Non, on a pas. Comme dans chaque booster. Oh, je vois refoil du coup avec le land foil derrière. Island. Inscription of Insight. Tajo ou Paragon.
Spitfire Lagak, Brookfire Elemental. Très joli. La petite Nissa, incroyable. Elle est très belle. Très très beau. Zou, Akum Hellhound, et je crois que je suis au token. Ah non, il y a un Squad Commander derrière. Ok. Ok. Bon, cool. Nissa, vraiment nice. Pas mal. La petite Nissa, si on, un jour on arrive à en faire quelque chose dans ce standard. Hop, ce serait bien. Bon, ça va pas être demain la veille, malheureusement. Oh, je vous ai encore un peu spoilé ou quoi? Ah, j'ai pas vu. Bon, on voit que ça brille, quoi. Ah bah là, il y en a au moins 11 qui brillent. Hein. C'est un demi-spoil, du coup. Petite mythique, ancienne Green Warden. Très bien. Bien en EDH, une bonne carte. Skyclave, oh, c'est déjà la quatrième. Et bah la quatrième. Et, hein. Et en plus, elle est foil. Très très bien. Ça, ça va là. J'en ai deux normales de foil. Ça, je te le dis, ça, ça va là direct. Mm. Oh, il est magnifique. Un petit filat. Windcrab foil. Ouh, le bleu noir foil full art, mesdames et messieurs. Et ça brille de l'autre côté? Ouais, ouais. Magnifique. Wow, ça, bah, t'imagines ces foils que d'un côté. T'as un peu le seum. Ça, c'est ouf, quoi. Ça, c'est trop, trop cool. Bah, dans d'autres TCG, notamment à Dragon Ball Super Card Game, c'est foil que d'un côté. Donc, ça, c'est pour ça que je le précise. Ouais, bah, il y a des TCG qui sont un peu meilleurs que d'autres, écoute. En termes de marketing, oui. Bon, même en termes de gameplay, en fait, il n'y a rien de mieux que Magic. Il n'y a rien de mieux que Magic, mais. Mais ça n'enlève rien à ce bon jeu. Merde, je vais un peu vite. Oh, il est parti. Oh, j'étais parti. Comment ouais, j'allais jusqu'à la fin. Ok. Needleverse Pathway, ok. Oh, Kragmo Full Art Foil. Cool. Bah écoute, j'adore la carte, donc je vais la mettre là. Très joli. C'est pas une dinguerie, mais. Mais ouais, j'aime c'est, beaucoup. C'est pas du niveau de ce qu'il y a sur la table. Ouais. Ils sont où mes fetch, Val? Là, je te rajoute, à ton avis, on fait un petit call, je te rajoute combien de cartes sur la table? T'en mets deux, là. J'en mets deux? Ouais. C'est un très bon booster, si t'en mets deux. Ok. Parce que c'est la, la table à dinguerie, on le rappelle. Il n'y a plus un bruit, quoi. Je regarde, je suis ici, on suit. Bon, moi, j'en ai cinq. Je commence à en avoir beaucoup, hein. Si tu en veux, je m'en déleste. Il y a Yasharn Foil, deuxième. Magnifique, hein, ce Yasharn. Mmh. Bah, du coup, j'ai mis deux dingueries, tu vois. Land, ok. Parfait. Putain, à chaque fois on croit que c'est du Omnath. Ouais, ouais, mais non. Ouh, troisième XP. Troisième expédition, Grove of the Burnt Willows. Mec, c'est trop ça bien. Ça fait plaisir. C'est très, très. C'est un très bon land. Insane. Ouais. Bah, trois XP. Déjà, je suis au-dessus de la moyenne. C'est, la moyenne, c'est deux. Hein. Ouais, c'est un tous les six, donc logiquement, tu dois en avoir deux dans ta boîte. Ok, donc là, ouais. Là, il reste deux boosters. Vraiment, éclate vraiment les scores. Oh, par contre, ça, c'est dégueulasse. Oh, oui, ça, ça dégage. Et je suis désolé, mais. Ah, ah, plus. Pas foufou quoi. Quand tu vois le level de ce qu'il y a là, essaye de que ça soit tout un peu visible. Je crois que d'ailleurs elle est toujours à la fin là. La... L'expédition, s'il y en a une. Et l'Omnath, il est toujours à la fin ou pas? Ah, ça. Je t'ai dit, il y en avait deux. Non, dans il, la est... Boîte. Il est pas forcément à la fin, parce qu'il est... il était devant tout à l'heure. Ah, non, mais je sais qu'il est pas toujours à la fin. Petit Jade Foil. Très très beau. Cool. Très cool, hop, ça, ça va. Tu fais une meilleure ouverture que sur M21. Ouais. Putain, Jace Foil et Jace What the fuck Paralteri qui est exceptionnel. Magnifique. Ouh, je crois qu'il y a une dinguerie derrière. Ah ouais. Ah bah c'est un crap, c'est une dinguerie. Ça, c'est très bien dans le jeu avec alerte rouge. Ouais, dans Arcades en EDH, ouais, notamment. C'est rigolo. Et c'était mon dernier booster. Bon bah le deuxième Omnath que j'école, du coup c'est moi qui l'ai. Bah déjà là je suis pas mal hein. Ouais ouais non elle est vraiment ouf ta boîte là. Autant l'autre t'avais la quantité, là t'as la quantité et la qualité. Mmh. Je pourrais avoir de belles expéditions, ça me régalerait aussi tu vois. J'ai pas trop demandé non plus hein mais. Très foil, bien. Ok. Ah oh, c'était le premier foil qu'on a je crois. Les ouais. C'était full art. On le montre, hein. Il est foil aussi de ce côté. Sans cag. Skyclave Shade. Sympa, c'est une bonne carte en tout cas. Oula. On a vu la ouze. Et du coup, on a vu la ouze. Et non. Ok, bah écoute, vraiment nice cette petite opening. Tiens. Ouais, ouais, franchement, t'as un nombre de cartes playable. Je sais pas exactement combien ça coûte ce produit-là, mais c'est pas impossible c'est que tu sois quasi remboursé. 250 et en précommande, c'est 230, il me semble. 230 avec ça, 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 les trois expéditions, les deux qu'il y a là, plus les landes qui vont forcément coter parce que ça sera joué dans les formats éternels, notamment en pionnier.
À mon avis, c'est rare d'avoir des produits qui sont rentables à Magic. On ouvre pour le plaisir, on le rappelle. Mais là, t'es peut-être pas loin, quoi. Bah ouais, ça va dépendre comment évolue le prix de certaines cartes, mais je suis vraiment pas mal, quoi. Attention. Et sachant que ça peut exploser avec ça. Ça peut exploser, ouais. Ça peut péter comme ça, paf. Ce sont des cartes explosives. Je peux en ouvrir un? Oui, vas-y, tiens. Ah, merci. On aurait dit un bébé. Oh, le bébé, quoi. Je peux en ouvrir un, moi aussi? Bah, c'est quoi? T'imagines, tu me dis, bah, t'as qu'à t'en acheter, Val. Bah, voilà, c'est 250 €, vas-y. C'est quoi, regardez ce que je fais. Hop, et vas-y, voilà. On fait un petit duel, tiens, on n'a pas fait de duel dans cette vidéo. Qui aura la meilleure XP? Ouais, c'était vraiment la vidéo du plaisir, là. Hop, c'est toujours un plaisir de perdre contre toi en ouverture. Bah, et vu que ce sont mes produits, je suis content de gagner, en plus. Oui. Voilà. Tu veux qu'on révèle en même temps? Ah non, mais si je gagne, mais que les cartes vont à toi quand même. Hein. Oui. Donc, en vrai, on révèle en même temps. Ah, non, vas-y, rêve de toi d'abord. Non, toi d'abord. Non, toi d'abord. Merci. Ah. Strip Mine, ok, très bonne carte aussi. Ouais, bon, c'est quand même pas le meilleur. C'est pas les meilleurs. C'est parti plutôt des sets qu'on veut pas ouvrir. Ouais, mais c'est ok. Je crois que ça cote un peu quand même, Strip Mine. Et attention, derrière. À la maison, ça pas grand chose. Ouh, un fetch. Ça, c'est bien. Bloodstain Mire. Ça, je suis content. Très, très bien. Très content, très, très content. Magnifique. Ils sont beaux quand même. Et du coup, ça nous fait quand même 5 expéditions sur les 4 potentiels. Ah, c'est une super boîte. J'ai pas vu non plus d'autres openings, mais par contre, tu m'en as parlé un petit peu. Et très solide. Ouais, vraiment, vraiment cool. Avec, on le rappelle, hein, la petite XP de la boîte précédente, c'était là, Wasteland. Tchou. Bah écoute, très solide. Dis-moi, t'es tout bien là. J'ai eu tous les lands mythiques en x1. Je suis content. Si on avait eu des multiples, c'était pas grave. Carrément. Mais je suis très content, très content, très très content. Je suis très très content. Et non, mais bah, t'as eu, en fait, ce que tu veux ouvrir dans cette extension, c'est Omnath. T'as ouvert ton Omnath Foil. J'ai pas eu de petit Lotus pour remplacer celui que j'ai dans Tatiova. Ça vaut pas grand chose. Donc, ça vaut c'est pas trop trop dur à récupérer. Ouais, mais tu vois, le fait de l'ouvrir, c'est toujours cool, quoi. Ben voilà, ben ça conclut cette vidéo opening. Voilà, tout ça est bien très, sûr très en giveaway en description. C'est faux. C'est faux, c'est juste dans mon classeur en fait. Mon énorme classeur. Dans ton énorme classeur. Merci à tous du coup de nous avoir regardé. Dites-nous en commentaire vous ce que vous avez ouvert. Si vous aimez aussi ce genre de vidéo. Moi j'aime bien ouvrir des boosters. Et ouais, dans tous les cas, PL en commande. Donc est-ce que vous voulez qu'on continue à vous les ouvrir ou alors vous en fichez? Dites-nous dans les commentaires. Un plaisir. Commander Legends, je pense prendre une petite boîte. Voilà, je vous le dis. Je vais voir, ça dépend ce qui est révélé dedans. Mais pour l'instant, ça a l'air sympa. J'imagine le mec qui commente. Bah, moi j'en ai rien à foutre en fait. Moi j'en ai rien à foutre, mais j'ai tout regardé quand même. Voilà. Donc vous pouvez écrire ça. Mizikaza, je sais que c'est le genre à vouloir commenter ça. Ça me fascinerait quoi. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci à tous. Comme d'habitude, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description avec notre chaîne Twitch, ValPL Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.